Salut à tous, c'est Xuscarto, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay, donc Assassin's Creed Valhalla. Alors, comment je vais procéder? Déjà, c'est un jeu qui va prendre énormément, énormément, énormément de temps. Étant donné que je compte faire le plus de choses possible, donc dévoiler tous les objectifs, les quêtes secondaires, enfin tout le truc, donc il risque d'en avoir pour un moment. J'essaierai de faire des vidéos maximum d'une heure. Et je couperai des s'il y a des trajets, je sais qu'au début, comme on n'a pas encore de cheval et que je dois faire des gros trajets, j'essaierai de couper au maximum entre les trajets pour pas rallonger encore plus la vidéo. Alors j'avais déjà commencé une partie, j'ai utilisé le remote play pour le diffuser en même temps sur Twitch, mais les résultats étaient pas terribles. Du coup, je me suis dit que je préférais le faire directement, l'enregistrer de la console pour avoir la meilleure qualité possible pour vous. Alors. J'étais pas allé loin, franchement, j'étais vraiment au tout début, donc nouveau, oui, ouais, on va le faire tout en simple. Ouais, franchement, ouais, apprenti, on met tout en simple comme ça, voilà. Et bon, moi je dis non. Allez entendre mon terrible récit des prémices du temps. Tout était noir. Tout était vide. Il n'y avait ni sable, ni mer, ni terre, ni ciel, ni herbe, ni air. Et de ce hurlement surgit le géant Ymir, premier de tous les êtres. Ymir le fier, cruellement tué. Mais de ses os, et de son sang, et de sa cervelle, naquit le monde où nous marchons et guerroyons. Te voilà. Hey, voilà un air pour toi, un air qui aiguera tout pas. Ah oui, moi je vais juste voir un truc dans le menu. Ah bah bizarrement là on peut le régler le truc. Ah te voilà ma petite reine. Bah. Alors, tu as vu notre roi? Approche. Tu as trouvé là. Ça. Bien. Maintenant, pour notre petite affaire. Quand tu nous verras parler, approche aussi discrètement que nous. Et surprends-le avec notre cadeau. Tu le tiendras comme ça. Tu le regarderas et tu diras « Roi Styrbjorn, puisse nos clans être à jamais liés par l'amitié et l'amour. » Tu veux faire ça pour moi? Ce soir, tu seras la corde qui unit notre peuple. Et je suis très fier de toi, Ivan. Debout, Olaf. Ouvre les yeux, l'ami. Mon épée a soif de sang. Moi, j'ai tranché. J'ai envie de me battre. C'est un vrai bonheur d'accueillir des gens aussi chaleureux chez nous. Oh.
Tu n'as rien à boire? Viens, je vais te trouver ça. Je ne veux pas. J'ai un cadeau pour ton père. Oh, ce que c'est beau! Ça doit valoir au moins 2 robustes navires. Donne-moi ça, je lui offrirai. Mon père veut que ce soit moi, Sigurd. Comme tu veux. Mais tu n'auras pas d'hydromel. Le cèdre de Valka fait parler mon marteau. Alors, tu as le brassard? Bien. Ton grand-père l'a porté lors d'une grande bataille. Sur la voie du Nord. Mère? Oui? Peut-on montrer à Sigurd les pierres de Cairn qu'on a empilées hier? C'est une bonne idée. On fera ça demain matin, à la première heure. Oh, il est peut-être mort, mais ça cause aucun problème. À jamais lié par l'amitié et par l'amour. Oh. Merci, Eivor. Je suis pour toujours engagé envers toi. Al des rois, prêtez l'oreille. Cheval des flots, mes mots s'éveillent. L'hydromel et mille merveilles. Un meneur sans va s'emparer. Les braves tuent la Valkyrie en mer. Au Valhalla et récompense leur peine. La halle et corne sonne tant que. Bats-toi, Eivor. Ton heure viendra. La prédiction. Les rideaux sont levés. Rien n'est vrai avant d'avoir été coupé des branches d'Yggdrasil. Ugh!
Attends ici. C'est à mon tour de t'offrir un marché, Catalisque. Si tu acceptes ton sort et meurs en lâche devant les tiens, j'épargnerai les autres. Bats-toi, mon amour. Ne l'écoute pas. Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Tu as ma parole. Non, Varine. Non, Varine. Oh non, je voulais un Ivor masculin, ça change quoi. Parfait, je verrouille tout ça et je continue. Vers une époque où les flux sont mieux synchronisés. Purée, par contre, la qualité de l'image, elle est magnifique. Depuis combien de temps me traques-tu, ami? Encore meilleur qu'avant, en même temps c'est sur PS5, hein, ça aide. 18. Suis-je partout dans tes rêves? À t'échauffer les reins. Tu te souviens de ça? La hache de ton père. L'arme d'un couard. D'un pauvre serpent. Rien ne me plairait davantage que de te tuer avec cette lame. Mais je sais que tu me défierais à mort en vue d'une fin glorieuse. Je ne peux le permettre. Tu finiras ta vie en esclave. Asservi. Et humilié. Et tu mourras seul. Tuez tout son équipage. Je veux qu'il souffre. Eivor, l'ami des loups, n'existe plus. Ce nom disparaît de ce monde. Tu vas me rapporter ton poids en argent, hein? Au navire. Au moindre geste, je t'arrache les yeux, tu entends?
grand souffle du ciel. Nous partirons au nord avant de couper vers l'ouest. Qu'est-ce que je viens de te dire ? Je vais juste modifier. C'était où? Gameplay. C'est la taille des trucs que je voudrais modifier. Je trouve que c'est un peu grand. Taille du texte. Non, c'est pas ça. Donc, taille du texte, on peut le remettre. En moyen. Moi, c'est la taille des sous-titres. Peut-être dans le dialogue, ouais. Taille. Ah, voilà. Pas de festin pour toi, Cindy. L'équipage est en danger. Je trouve que c'est mieux. Ça va mieux. Je me sens mieux, plus fort. Alors, ah!
Alors, oui, mais du coup, je vais d'abord aller ici, ce qui est plus près. Ah oui, donc il n'y a plus le truc de la roulade. Ok, c'est bien de me prévenir. C'est un des hommes de pied de fée. Je dois rester prudent. Blablabla, prépare, machin. Sont vigilants par ici.
éviter d'attirer l'attention. Mais bon, ça de toute façon pour l'instant on n'a rien. Hop. Se bat près d'ici. Dag, vieux chien, tu es vivant. Oui. J'ai pu m'éclipser pendant le combat. Et toi ? Kiet V a voulu me vendre. Il regrettera cette erreur. Mais pas aujourd'hui. Je l'ai vu embarquer dans un bateau à Valsnes il y a peu. Il est parti vers l'est en laissant notre équipage sur place. Il doit encore être possible de sauver nos hommes. Je vais m'en charger. Toi, prépare le navire. Coureur de gloire, tu irais les sauver tout seul pour que l'on chante tes exploits? Je peux aussi attaquer la plage si tu préfères. Tuer 20 hommes, reprendre notre navire dragon et déployer la voile en triomphe. Non, non, je vais m'occuper de la plage. Ce sera bien plus dangereux. Toi, fouille la maison. Oh, et tiens, ce cadavre n'en aura plus. Va, je te retrouverai au nez. Moi. Guerrier de Kyotve Grouillan. Je passe par la grande porte, je risque d'attirer l'attention. La maison Bung. L'équipage devrait être à l'intérieur. Thank you.
Odin est ton maître. Alors, je pense que je vais quand même mettre le... l'option, c'était où gameplay. La difficulté, c'est ça que je voulais faire. Difficulté de combat, on va mettre par défaut, hein, parce que... Ah... Il devrait y avoir une ouverture dans le toit. Si tu gigotes trop, ma hache va riper sur ta nuque. Ce serait dommage. Si je dois mourir... Je refuse de te faciliter la tâche. Espèce de lâche, libère-moi et donne-moi une hache. Je ne te dois rien, fiente de corbeau. Ton clan ne compte que des esclaves et des paysans. Laisse cette hache tranquille, ou c'est la mienne qui te tuera. Tu devrais naviguer vers l'Irlande sur un navire d'esclaves. Mais si tu tiens à être mon premier sacrifice, Odin sera ravi de t'accueillir. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Tu appartiens à Odin. Je vais te vendre à Hel en personne. Agenouille-toi, ami des loups, ou je t'épargnerai. Je vais faire de là, et bats-toi. Arrête cette chance. Tu aurais dû la garder en main jusqu'à ta mort. Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Non, Varine. Non, Varine. En tâche. Tuez-les tous.
fort. Autant sorceler. Libère-nous. Quoi? Ah, oui, bien sûr. Ami Dilef, même si tu semblais loin d'ici. Écoutez, si vous respirez, vous pouvez vous battre. Alors reprenons notre navire. Tu n'auras pas. Restez liés. Ton dernier soupir. Manger pour les corbeaux. Que coule. C'est fini. C'est tout. Dag, Bragi, avant Ram, la voie des baleines nous ramènera. Ce n'est pas trop tôt. Allez, arrête de jacasser, Ram! Silencieux, Eivor. Tu as quelque chose à dire à propos de ce désastre? Nous n'avons eu aucune perte au combat, et ceux qui nous ont humiliés sont morts. Qui aurait-il à dire? Ah, quelque chose comme... J'ai été idiot, égoïste, inconscient, entêté, et je pue le sang et le fumier. Je préfère ma version. Abaissez la voile!
voyageurs sur nos riants et fertiles rivages. Au secours. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un sur cette île. Pourquoi ? C'est l'Angleterre, contrée des Saxons et des Danois. Nos rivages sont ouverts au commerce. L'Angleterre ? Je ne la voyais pas comme ça. Ceux de Norvège trouvent le voyage étourdissant. Mais heureusement, je suis là pour les guider. Je connais le pays mieux que mon propre fils. Est-ce que tout va bien ? C'est mon fils. Il est chez les Pictes au nord du mur d'Adrien. Qui sait ce qu'ils peuvent préparer cela ? Ou qui ils peuvent envoyer m'espionner ? Tu as parlé de guider les gens. Bien sûr, la visite. Suis-moi. Voici la cité de Lunden, fondée par les Romains en des temps anciens. Il n'y eut aucun autre bâtisseur semblable depuis. Ils ont dû faire avec ce qu'ils avaient. Et c'est quoi là? Attends, voir les jambes. Voici les falaises de Dofras, célèbre. C'est Jørvik, ville marchande des Danois. Entre nous seulement, le roi Elfred a des vues sur Jørvik. Je vois. Là, le mur d'Adrien. Notre dernière ligne défensive contre ces barbares de Pictes. Oui, guère plus qu'une ligne. Et la visite se termine par Winchester, le cœur du Wessex. Où est le roi Elfred ? Ces chiens de Pict ! Ils se sont emparés du roi ! Il faut aller les attaquer au nord du mur d'Adrien ! Où es-tu, mon roi ? Je suis sûr qu'il est quelque part. N'aie crainte, mon roi ! J'arrive ! Thank you.
qu'est-il arrivé? Arael, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais à fouiller mes appareils? Oh, Bartor, tu l'as trouvé. Pourquoi l'as-tu repris? Oh, le voilà reparti. Traître! Le roi ne me parle plus. Tu lui as coupé la langue. Il n'a pas de langue. Parce que tu l'as tranché. Non, parce qu'il n'existe pas, c'est un mannequin. N'alimente pas ses divagations. Son esprit vacille, il retombe en enfance. Je l'avais amené ici pour atténuer son égarement, mais il s'aggrave. J'essaie de le raisonner ou d'aller dans son sens, mais il n'entend que ce qu'il veut entendre. Que ce qu'il veut entendre, hein ? J'ai une idée qui pourrait s'avérer utile, si tu me laisses, vieil homme. Cette épreuve a harassé ton roi. Je l'entends parler très faiblement. Il fait ton éloge. Il tient à remercier... Ising. Il tient à remercier Ising pour sa fidélité envers la couronne. Que dit-il d'autre ? Tu marches dans un rêve. Il est temps de t'éveiller. Qu'est-ce que tu dis ? La réalité est peut-être moins belle que cette illusion. Mais il y a dans ce monde des gens qui t'honorent. Peu importe ce que tu me décris comme vrai, seul compte ce que je crois. Et je crois qu'Elfred nous a vendus aux Pictes. Tu as trahi ta nation et ton peuple. Je t'en accuse et je te chasse du trône. C'était une décision difficile, mais il faut parfois brûler une plaie pour la guérir. Pardonne ma mauvaise humeur. Je savais que ces derniers jours seraient difficiles. Parfois, le fardeau est trop lourd. Tu fais preuve de courage et d'honneur. Et les dieux en sont conscients. Bonne chance à vous. L'Angleterre est toujours en guerre ? Ce vieux renard est toujours là. Je dois dire que ça m'impressionne. Chez moi. Enfin, avant. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des os. Ah, tout est en dessous. À mon avis, ça doit être ça, l'espèce de porte qu'il nous affiche là. La première fois que Père m'a montré ce passage, j'ai été tout excité. Ensuite, j'ai gagné toutes les parties de cache-cache. Objets précieux. Comment cela a-t-il pu échapper aux chiens de Kyotve ?
Baissez la voile.
non dire, Gripan. Bon, du coup, moi, je vais m'arrêter là et je vous retrouve très vite pour la suite. Salut tout le monde !